Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous le Christus, alléluia. Poste du ciel, bénissez le Seigneur. Je t'adore, oh Dieu, de bonté, en ton parvis de sainteté. Je viens à ton sanctuaire, t'adresser ma prière, te bénir et te et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, téléspectateurs et téléspectatrices de Ecclesia TV, nous voici au deuxième jour de notre semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous offrons à Dieu toutes les paroles, tous les gestes qui ont été à la base de la division, aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, dans notre Église, dans notre monde. Nous demandons au Seigneur de nous donner son esprit d'unité, son esprit d'humilité. Nous confions au Seigneur ceux et celles qui célèbrent ce jour un anniversaire, notre communauté paroissiale. Et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions du Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus ton envoyé. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui par la foi et par la persévérance obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et dit : Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux
et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse de manière encore plus claire que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement, de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia! 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 Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour du sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim ?» Lui-même et ceux qui l'accompagnaient. Au temps du grand prêtre Abiathar, il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain d'offrande que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs,
aujourd'hui comme hier, Jésus a affaire aux pharisiens qui déforment la loi de Moïse en s'attachant aux détails pour oublier l'esprit qui l'informe. Et les pharisiens, en effet, accusent les disciples de Jésus de violer le sabbat selon leur manière de penser étouffante. Arracher des épis équivaut à moissonner et à égrener, à battre. Ces activités agricoles et une quarantaine d'autres que nous pourrions ajouter étaient prohibées les jours de sabbat consacrés au repos. Nous le savons, les peines de l'offrande dont nous parle l'Évangile étaient au nombre de 12. Et on les plaçait chaque semaine sur la table du sanctuaire en hommage aux 12 tribus d'Israël, à leur Dieu et Seigneur. Et le comportement d'Abiathar, le prêtre, est conforme aux enseignements de Jésus. Les préceptes légaux de moindre importance doivent céder le pas au plus grand. Ainsi, un précepte cérémoniel à un précepte de loi naturelle. Mes frères et mes sœurs, le sabbat avait été conçu pour être un jour de repos où les gens seraient libres de penser à Dieu, de rendre grâce à Dieu pour ses dons reçus et de prendre soin de leur santé, de leur bien-être. Mais malheureusement, certaines autorités religieuses ont progressivement empiété sur le sabbat avec tant de règlements qu'il risquait de ne plus servir son but, louer Dieu, aimer l'homme. Ainsi, les besoins de l'homme remplacent les exigences rituelles du sabbat. Pour Jésus, le pardon, la miséricorde et la compassion sont au cœur de la vraie religion et sont à appliquer le jour du sabbat. En somme, le jour du sabbat, il faut aimer Dieu et aimer l'homme. Sans cela, tout le reste est absence de cœur et performance vide. Mes frères et mes sœurs, il convient que nous puissions réfléchir aujourd'hui sur nos journées dominicales. Qu'est-ce que nous faisons le dimanche après la messe? Combien de temps est-ce que nous consacrons à Dieu le dimanche? Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Reçois le pain de notre vie. Il deviendra paix de ta vie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ce vin, le fruit de nos labeurs, sera pour nous vin de ta joie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Voici l'offrande de tes enfants, en ta bonté, accepte.
accepte-la. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre les dons les plus divins et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Des défunts pour qui cette messe a été demandée, nos parents, amis et connaissants défunts, les défunts tombés dans l'oubli, les défunts pour qui personne ne prie, les évêques, prêtres, séminaristes, religieuses et religieux défunts, les premiers missionnaires et les premiers chrétiens de la Côte d'Ivoire défunts, et tous ceux qui meurent aujourd'hui, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur ceux et celles qui ont demandé cette messe, en action de grâce ou pour aide, assistance et protection, ou pour d'autres intentions.
sur la direction et le personnel de Ecclesia TV. Sur nos communautés paroissiales, ses activités et ses projets. Sur nos familles, notre pays, la Côte d'Ivoire, en quête de paix véritable. Pour l'unité de tous les chrétiens. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la charité du Christ, frères et sœurs, en vous faisant signe de la tête, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es ma lumière, ô Seigneur mon Dieu. Tu es mon salut. Salut, mon rédempteur.
inexprimable, agneau si doux. Ô Dieu d'amour, salut terre hostile. Ton corps et ton sang sont vie. Nous nous sentons le cœur rempli de joie inexprimable, agneau si doux. Ô Dieu d'amour, salut terre hostile. Ton corps et ton sang, ton corps et ton sang sont vie. Nous nous sentons le cœur rempli de joie inestimable, agneau si doux. Ô Dieu d'amour, salut terre aussi. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité. Par la grâce du sacrifice que nous avons offert, rassemble dans un même amour tous ceux qui croient en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Y a-t-il parmi nous un frère ou une sœur qui célèbre ce jour d'anniversaire? Nous secouons dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour ta fille à l'occasion de son anniversaire de naissance. Protège-la, garde-la toujours à l'ombre de tes ailes, qu'elle fleurisse en intelligence, en sagesse et dans la foi, qu'elle soit la fierté de ses parents, et que jamais elle ne manque de ton secours ici-bas. Que cette bénédiction réjaillisse également sur tous ceux qui nous suivent depuis la maison, depuis le lieu de travail, et qui célèbrent ce jour un anniversaire ou un événement heureux. Donne-leur de vivre en ta présence et de bénéficier toujours de tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Demain, mercredi 20 janvier, il y aura messe dans les CEB suivante. Saint-Michel-Archange, bâtiment 16, 17 et les habitations situées derrière l'école primaire et maternelle de la résidence Paillé. Et Sainte-Rita, la zone entre le cimetière et la résidence Paillé jusqu'à l'intercession. Le vendredi prochain, nous aurons réunion du conseil paroissial. Aujourd'hui, nous aurons réunion du bureau du conseil paroissial.
Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Notre-Dame de Montlignon, priez pour nos défunts. Notre-Dame de Montlignon, priez pour nos défunts. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Tu nous as créés par amour et à ta ressemblance. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as laissé déborder l'amour de ton cœur et tu es venu à notre rencontre. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Fils du Père venu dans le monde. Tu as visité la Côte d'Ivoire par tes missionnaires, voici 125 ans. Merci pour ta parole annoncée à Gambassam. Merci pour tant de grâces et de bénédictions reçues. Béni sois-tu, Esprit Saint, tu sanctifies et conduis la mission. Par ce jubilé, affermis notre foi et renouvelle en nous tes dons. Que l'Église catholique en Côte d'Ivoire soit témoin fidèle de l'évangile d'unité, d'amour et de paix. Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie pour mère. Suscite en nous, par son intercession, un véritable réveil spirituel. Que le oui de Marie soutienne l'engagement de nos familles. Aide-nous à construire le royaume éternel du Père, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bénissez le Seigneur, sous le Jésus-Christ.